mes frères, ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Le temps file, le temps court, l'urgence est à vos portes, dans une proportion que vous ne pouvez pas même imaginer. Car combien de temps nous reste-t-il encore? Chaque année, je regarde toutes mes plantes que j'aime, que je soigne, que je taille, que je regarde vieillir. Je me demande chaque printemps combien de temps encore, oui, combien de temps encore. Vous êtes loin de pouvoir imaginer ce qui va se produire, et moi, comme vous, je n'en sais rien, et pourtant je sais que ce sera soudain, du jour au lendemain, et qu'à partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant. Et je pense, mes très chers frères, que ce sera Dame Nature qui ouvrira ce triste bal que subira la race humaine dans un événement tellement violent qu'à partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant. De grâce, mettez-vous en règle avec le bon Dieu, car bientôt, nul doute qu'il sera trop tard. Convertissez-vous au Dieu de Jésus-Christ, quittez le chemin des ténèbres et repentez-vous de vos fautes. Comme dans un jeu de dominos, les événements vont s'enchaîner, et ce sera de mal en pis, rien ne pourra les arrêter. Je ne sais pas quand ça sera, dans un an, 10 ans ou 10 jours. Ce que je peux dire, c'est que ce sera pendant notre ère. Entendra qui voudra entendre, mais je vous conseille d'écouter, car les hommes vont recevoir la monnaie de leurs pièces. N'allez pas faire partie de ceux qui maudiront le bon Dieu, car ce qui advient, nous l'avons bien mérité. Arrêtez de faire les malins, de vous moquer, de blasphémer. Je vous le prédis, tant de dents vont grincer. Il ne sera bientôt plus temps de dire Seigneur, Seigneur. Il est plus que temps d'examiner votre conscience. Il est un fait avéré, c'est que le bon Dieu nous a tous choisis pour traverser ce qui s'en vient. Je veux parler de la fin des temps. Jésus, nous le verrons tous en chair et en os, car il vient séparer le bon grain de l'ivraie. De grâce, mettez-vous en règle avec le bon Dieu, car bientôt, nul doute qu'il sera trop tard. Convertissez-vous au Dieu de Jésus-Christ, quittez le chemin des ténèbres et repentez-vous de vos fautes. Oui, de grâce, mettez-vous en règle avec le bon Dieu, car bientôt, nul doute qu'il sera trop tard. Convertissez-vous au Dieu de Jésus-Christ, quittez le chemin des ténèbres et repentez-vous de vos fautes.